Minecraft is only as dead as you want to believe it is, and a lot of people, you know, like, oh, my friend doesn't play it, and I don't play it, therefore Minecraft is dead. Maybe it was for its own good that Minecraft ended up this way. It started as a simple design concept, and ended as a multi-billion dollar investment, which, for the most part, went completely down the drain. Minecraft is not dead. It didn't die the day that Notch stepped out from behind the wheel. Instead, Minecraft has just slowly evolved, and in a lot of ways, devolved. But regardless, it's hard to argue that at its very core, at its foundation, Minecraft is still very much the same game that millions of people fell in love with. But the glory days of both YouTube and Minecraft are now long gone, and most of us realize that they're not really connected events. Minecraft est loin d'être mort, de nombreuses mises à jour sont prévues, et en ce qui concerne la partie PVP, tant qu'il y aura des gens motivés, la communauté perdurera. Alors que Minecraft, on le sait, il est durable, sa communauté est installée et ne le lâche pas. Et puis au pire, s'il n'est que le deuxième jeu le plus regardé sur internet, c'est déjà pas si mal, non, pour un jeu en déclin. Chaque année, j'ai entendu, Minecraft, dans 6 mois, c'est fini. Et chaque année, Minecraft a survécu. Sauf que maintenant, j'ai réellement l'impression qu'on se rapproche de la fin. L'avenir de Minecraft, je m'inquiète pas trop. Par contre, l'avenir Minecraft, on va dire d'un point de vue YouTube, c'est différent, surtout au niveau FR. Au bout d'un moment, évidemment, les gens passent à autre chose. Minecraft n'est clairement plus un sujet de mode. Il y a encore beaucoup de gens qui jouent, même en France. Il y a des YouTubeurs qui ont arrêté, il y a des YouTubeurs qui n'en font plus. Et il y a beaucoup moins de nouveaux YouTubeurs qui apparaissent au niveau FR, au niveau Minecraft. Après 10 ans d'existence sur la plateforme, le jeu Cubic a fait face à la question plus d'une fois. Il y a moyen de retrouver des posts datant de 2014 relatant à quel point Minecraft se meurt, et sa communauté avec. La question n'est pas neuve, et sa réponse non plus. Ainsi, dès le début de cette vidéo, j'aimerais qu'on se mette d'accord. C'est infondé. Les chiffres le montrent, si vous êtes lassé de Minecraft, d'autres ne le sont peut-être pas. Bien que des joueurs et joueuses quittent le jeu par lassitude, d'autres arrivent, certains reviennent des années plus tard, bref, c'est une communauté en perpétuel renouvellement. Tout ceci est normal. To dealing with a bunch of drama, but I can 100% say, with 100% certainty, I'm back, baby. I'm back, baby. Et quoi? Voilà, la vidéo est déjà finie. Non, bien entendu. Je pense qu'en 10 ans, il y a des choses qui ont changé. Peut-être pas tant dans le monde entier, mais plus particulièrement dans la communauté francophone. Et hormis ça, on parle tout de même ici principalement de vidéos, de vidéastes et de YouTube. C'est pourquoi je tenterai d'apporter une autre réponse autrement plus nuancée sur une autre question, qui est la suivante. Minecraft est-il mort? Sur le YouTube francophone. Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel Minecraft, bien débuté à Minecraft. Il faudrait tout de même commencer par définir le mot mort dans cette question. Si l'on parle d'une mort sérieuse, de tout intérêt pour le jeu, non, bien évidemment, Minecraft est loin d'être mort dans nos régions. Cependant, si l'on compare l'état de l'engouement actuel avec celui de 2013, par exemple, j'ai envie d'emblée de répondre un petit oui à notre question de départ. Car un simple regard sur les vues des vidéos Minecraft aujourd'hui permet de voir que la communauté n'est plus si investie dans le jeu qu'avant. Et les premiers à s'en plaindre sont, bien évidemment, les vidéastes. Le nombre assez grand de vidéos parlant de la mort de Minecraft, de sa communauté et ou de la baisse de visibilité de Minecraft sur YouTube est assez conséquent, on a pu le voir en début de vidéo. Mais en 10 ans, il est évident que Minecraft, sa communauté et YouTube ont beaucoup évolué. Et pour comprendre en quoi il serait mort maintenant, il faut peut-être aller voir quand était-il vivant. Du guide de Fantasio à la dernière saison d'Holicube, en passant par les folies des Kills of Patrick, il est temps de redécouvrir ces vidéastes de tous les horizons qui ont propulsé Minecraft au plus haut grâce à YouTube. Préparez-vous, ça va être long. Avant de commencer, je me dois de définir ce terme que je n'hésiterai pas à utiliser. Au fil de mon énumération des différentes séries, vous remarquerez vite l'apparition de différents genres. Comme au cinéma, on pourrait avoir le genre de l'horreur, de l'action ou de la romance, dans les séries Minecraft, on pourrait aussi retrouver des groupes de séries que l'on pourrait catégoriser de genre. Certes, la comparaison pourrait paraître un poil capillotractée, mais je trouve qu'elle apporte une perspective non négligeable. Ainsi, je vous parlerai aujourd'hui des CTM, des séries à objectifs, des événements PVP, des let's play, de la survie, du modé, et bien d'autres. Ces genres peuvent tout à fait se mélanger. Frigiel et Fluffy est un let's play modé, et Objectif Lune est à la fois une CTM et une série à objectif. Cette séparation des différentes séries en genres nous permettra d'évaluer les différentes popularités de ces genres à travers le temps. Et puis, simplement, ça permet de poser des mots sur certains concepts qui en avaient besoin. Qu'il le veuille ou non, en francophonie, le pilier de Minecraft, celui qui est à l'origine de tout, c'est Fanta. Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel Minecraft, bien débuté à Minecraft.
The Fantasy 974, un ancien vidéaste réunionnais de 40 ans, a arrêté les vidéos milieu 2018 et a totalement effacé sa présence en ligne en janvier dernier. Il remettra tout de même ses vidéos en public pour la postérité en mars dernier. Mais pourtant, il reste avec son acolyte Bob Lennon l'un des premiers à avoir popularisé Minecraft en francophonie. Il marqua durablement l'esprit de nombreux joueurs et joueuses avec des séries cultes comme notamment le guide pour bien débuter à Minecraft dont la diffusion commença en mars 2011. Dans ce guide, Fanta nous expliqua de façon plus ou moins précise différentes astuces pour parfaire notre expérience de jeu sur Minecraft. Je reprends mon atelier, pour reprendre l'atelier, ben, je tape dessus avec la main, je maintiens la souris, et hop, mon atelier revient dans mon inventaire. Le guide est aujourd'hui une référence pour une grande partie des viewers Minecraft. Il a marqué le début d'une course effrénée de séries plus populaires les unes que les autres qui perdurent encore aujourd'hui. C'est pourquoi je placerai donc le guide pour bien débuter à Minecraft comme le point de départ de notre épopée à travers le YouTube Minecraft francophone. Bien sûr, après ce guide vient le grandiose Fanta Bob Show, dans lequel Fanta est rejoint par Bob Lennon, qui sera à partir de là l'acolyte principal de Fanta. Donc je suis en train d'allègrement nous noyer. Voilà, pour fêter notre partenariat YouTube, Bob et moi nous suicidons collectivement. Attention, et je pose le premier cube de bouse sur ce serveur. Le Fanta Bob Show fut une émission qui dura d'avril 2011 à novembre 2013, dans laquelle les deux joueurs Fanta et Bob présentent différentes maps de la communauté. Le show est à l'origine du duo Fanta et Bob. De celui-ci découleront une tonne de séries emblématiques, comme le Fanta Bob World en mars 2012, D et Cube en avril 2012, ou encore The Dream en février 2014. The Dream, chers amis, The Dream. Fanta et ses premières séries, que sont le guide et le Fanta Bob Show, était l'étincelle qui mettra la machine en marche. Ses premiers essais, parfois techniquement maladroits mais toujours remplis d'une énergie folle, ont inspiré pas mal de vidéastes que nous allons voir aujourd'hui. Salut à tous les amis, ici Fantalmanac, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis enfermé dans cette petite pièce en compagnie de Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Le duo Fanta et Bob est remarquable. Ce sont deux personnes tout à fait opposées. Elles ont toutes deux une personnalité forte qui complète celle de l'autre. Ce duo est devenu assez légendaire et ce n'est pas pour rien. Repose-toi bien, Fanta. Tu l'as mérité. Bisous. Et prenez soin de vous. Minecraft reste l'un des jeux où le court-métrage est le plus facile à faire. Et c'est pourquoi, dès mai 2011, Gus et Porto ont utilisé le jeu pour raconter leurs histoires drôles. Le Comedy Cube est une série qui dura près de 3 ans avec une structure bien simple. Ce sont des sketchs. Comme beaucoup de créations vidéo à l'époque, il est sûr que ça a mal vieilli, surtout pour les premiers épisodes. Mais tout n'est pas à jeter, loin de là. Car, surtout dans les derniers, chacun des épisodes de 3 minutes était relativement bien construit, tant sur l'écriture que sur le montage. Y a pas de poney dans les histoires qui font peur. Mais attends la suite. Ok, je t'écoute. Bon, donc c'est un poney, il tombe et il se tord la cheville. Ouais, cette série reste, en français, l'une des plus vieilles à réellement adopter le format de fiction. Elle a posé les bases pour tous les courts-métrages de Minecraft qui suivront. Gus, je peux m'asseoir à côté de toi? Gus. Non, je t'ai dit, t'es puni! Oui, mais... Non, mais... Comme avec Fanta et Bob, nous resterons dans une logique de duo, avec Porto, un peu niais mais toujours content, et Gus, pas si intelligent mais très colérique. Les personnages sont simples et efficaces, ça fait rire. Le Comedy Cube lança une vague de courts-métrages et de semi-courts-métrages. En effet, il y a eu une série de vidéastes qui faisaient de la fiction improvisée. On retiendra par exemple les quelques séries de GusDx, d'une grande qualité visuelle et magnifiquement mise en scène. De mai 2012 à octobre 2014, GusDx nous fait voyager à travers des tonnes d'univers remplis de mystères. Bien entendu, Gus ne fut pas le seul, comment ne pas citer Monsieur Moustache par exemple, mais dur de parler de toutes celles et ceux qui ont réalisé des fictions avec Minecraft. Surtout qu'après le Comedy Cube, il faudra attendre un certain temps avant de revoir un intérêt particulier de la communauté pour ce type de contenu. Initié par Unster Bleacher, Kigiar, Zelvak et Natu en juillet 2011, Fallen Kingdom est un événement PVP où différentes équipes s'affrontent pour remporter la victoire. Donc alors, je vais faire équipe moi avec Zelvak. On est les rouges. Et moi j'aurai le droit au meilleur Kigar. Ouais. Le but est de piller la salle des coffres des adversaires, tout en gardant la sienne intacte. Si la salle des coffres est pillée, l'équipe perd. C'est donc la dernière équipe qui n'a pas été pillée qui gagne. Voilà, ils sont morts en boucle là. Meurs aux infidèles. On a gagné. Ouais.
On va les avions. Le concept est simple et, pour être honnête, il est très original. Ça ne fait pas forcément penser à d'autres jeux vidéo, comme pourraient le faire les Hunger Games par exemple. Et nous verrons que quelques jeux du genre, comme Sky Defender notamment, ont tous été inventés par Zelvac, qui a toujours réussi à trouver des concepts novateurs et fun qui n'ont pas été vraiment déjà vus avant. Fallen Kingdom est fait pour être rediffusé sur YouTube. Chaque jour dans le jeu correspond à un épisode de 20 minutes, un format assez idéal. Chaque équipe rediffuse son point de vue, ce qui permet aux viewers de facilement analyser tout ce qu'il s'est passé durant la partie. On va rentrer. Enfin, On passe devant vous quand même. Oui, parce que je sais pas du tout par où aller. Donc. Bon, de toute façon, il y a pas grand chose à montrer. Ah, moi je tiens à dire que pas mal le fait qu'il y ait une salle en haut. Ça nous a troublé. Ouais. On voulait y aller. On en parle le trou qu'on a fait. Hein. Mais vous connaissez probablement bien plus les Fallen Kingdom avec Sifano. En effet, ce dernier organise cet événement régulièrement depuis novembre 2012. Nous sommes aujourd'hui à sa 8e saison. Salut à tous et à toutes, c'est Frigiel. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sifano qui est donc avec moi avec son joli costume bleu. Coucou. Coucou Frigiel, comment tu vas ? Bien que les vieux Fallen Kingdom n'étaient pas autant regardés que d'autres vidéastes de l'époque, cette série et son concept ont continué à grandir de saison en saison, d'année en année, pour donner une des séries PVP françaises les plus regardées. Bien entendu, la visibilité qu'a pu donner Sifano au concept par la suite est assez grande. Beaucoup de joueurs, joueuses et vidéastes ont organisé leur propre Fallen Kingdom par la suite, ce qui témoigne de l'impact et de l'influence qu'a pu avoir cette série. C'est avec la première saison de Coopération Hostile que l'année 2011 se termina. Ce sera une série en multijoueur avec donc Sifano et Zelva que je remercie d'avoir accepté de participer à cette série qui va être assez compliquée. Vous allez... La joyeuse bande composée de Sifano, Frigiel, Zelvac et Léo Zangdar formait la Coop Team. Ok, en vrai, Léo Zangdar n'a jamais vraiment participé aux coopérations hostiles, mais il faisait tout de même partie de l'équipe. Ensemble, ils ont parcouru, sur 5 saisons différentes, 5 maps dites CTM, Complete the Monument. Du coup, il y aura pas mal de donjons avec des mobs spawners et plein de pièges et de choses comme ça. Et notre objectif sera de trouver des laines de couleur et de les ramener à un monument de la victoire. Donc, une map Complete the Monument est une application grossière de la formule Metroidvania dans Minecraft. Un Metroidvania, comme son nom l'indique, est un genre de jeu dont les codes ont été définis par les excellents jeux des séries Metroid et Castlevania. On se balade dans une grande carte de façon très peu linéaire avec des embranchements réguliers pour accomplir un certain but. Dans les CTM, nous sommes à la recherche d'une série de trophées, souvent des laines, pour compléter un monument. Sinon, on aurait dû refaire d'autres épisodes pour aller rechercher les laines dans les autres donjons. Putain, je suis en train de mourir là. Il y a Hélène qui prend feu. Il y aura régulièrement besoin de rebrousser chemin et un bon sens de l'orientation et une bonne carte sera de mise pour se déplacer facilement. Cela donne lieu à une tonne de situations cocasses et souvent rageantes qui permettront aux vidéastes d'amuser les viewers. Vous essayez de feinter. Ah, je suis tombé. Oh non. Oh putain. Zelva qui est encore mort. Coopération Hostile fut le porte-étendard des séries CTM sur YouTube. Mais après la dissolution de la Coop Team le 13 septembre 2013, la série Coopération Hostile n'est plus. Néanmoins, les CTM continueront d'être joués, à moindre mesure, par différents vidéastes. On notera les quelques séries comme Frozen et Fire Caverns, Across the Time et Ultimate Survivors, toujours de Sifano. Et bien sûr, on pensera aussi à Hypierre qui, jusqu'à relativement récemment, n'a pas vraiment arrêté de faire des CTM sur sa chaîne, avec notamment les séries sur les fameuses cartes Ragecraft. On va se mettre à couvert. Battez-vous. Moi je m'attaque au reste. Cependant, grâce à Sifano principalement, il s'avère que les séries CTM ont évolué vers des séries à objectif. Pour voir cela, il nous faut revenir en arrière en janvier 2013, lorsque la Coop Team était toujours sur pied. Bonjour tout le monde, c'est Sifano. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur Minecraft, sur la map Moon Survival, qui est une reproduction de la Lune en fait. En janvier 2013, Sifano lança Objectif Lune, qui est facilement la vidéo la plus vue de sa chaîne, et probablement l'une des vidéos Minecraft francophones les plus vues. C'est avec l'aide de la Coop Team qu'il démarre ce nouveau format de série à objectif dérivé des CTM. Même s'il y a toujours un monument à compléter, il y aura également lieu de remplir différents buts dans l'ordre souhaité. On parle là de battre un certain boss, à faire une ferme à canne à sucre en passant par le craft de 5 blocs de TNT. Ce sont des actions simples à réaliser, mais variées, qui permettront de donner du contenu pour les vidéastes. De l'eau, alors ça fait partie des objectifs, et un des objectifs qui dit qu'il faut retrouver les deux sources d'eau de la map. Alors, là-bas, j'ai vu un cratère où il y avait de la... Ainsi, boss. Par rapport aux CTM, les séries à objectifs sont plus simples et grand public, et demandent moins de compétences pour être réussies. En somme, si les CTM offrent un plus grand challenge, les séries à objectifs, plus orientées pour faire un produit vidéo à la fin, s'orientaient vers un contenu divertissant. Avant tout combien de melons vont dans le coffre? Je sais pas, tu regardes dans le coffre? Je sais pas, moi j'ai le melon. Non, mais il y en avait combien? J'en sais rien, tu regardes dans le coffre? Cette série marque pour moi le moment où Minecraft était au sommet. C'est vers ces dates, fin 2012, début 2013, que Minecraft a réellement atteint le plus haut niveau de popularité sur le YouTube français.
Il me semble donc judicieux de retenir précisément ces dates. Voilà, donc c'est terminé pour ce premier épisode. Merci à vous de l'avoir regardé et on se retrouve très vite pour le second épisode. Bye bye. La série Objectif Lune aura plusieurs suites, comme Objectif Mars ou Objectif Uranus. Mais il y eut également d'autres séries à objectifs, toujours sur la chaîne de Sifano, comme notamment L'île au trésor avec Super Brioche, qui aura eu quand même droit à 4 saisons. Et pour cette aventure, je ne serai pas seul, je suis accompagné du beau, du grand, du magnifique, du délicieux, Super Brioche, coucou Brébri. Salut. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Avec ton beau ça skin de... Le duo Sifano-Super Brioche est efficace. On sent une bonne alchimie entre les deux comparses. Bien sûr, Sifano ne fut pas le seul à faire des séries objectifs. On pourrait par exemple citer Crusoe de Fanta et Bob, qui fut une série très regardée. Dans les 21 objectifs que vous êtes en train de regarder à l'écran, vous avez mis pause, donc vous avez coupé ma phrase, bande de salauds. Enfin bref, sur ces 21 objectifs, on a l'intention, parce qu'on en a une, hein, et parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout, d'en faire une petite dizaine, au moins une dizaine. Que ce soit propre, on va peut-être laisser les plus extravagantes de côté, mais c'est brave, on est quand même... Frigiel est, avec Sifano, encore aujourd'hui l'un des Minecraftiens francophones les plus influents. Ses premières apparitions étaient bien sûr celles des coopérations hostiles, et ensuite celles des Fallen Kingdom. Mais Frigiel est aussi connu pour son Let's Play modé qu'il continue encore aujourd'hui, Frigiel et Fluffy. C'est une série du même nom. D'ailleurs, il y a un peu plus d'un an même maintenant, il y a presque un an et demi, donc une série avec beaucoup de mods installés, ça vous avait énormément plu. Je crois que l'épisode 1 de cette fameuse série avait fait plus de 800 000 vues, je crois que c'était quelque chose... Frigiel et Fluffy, ça respire la bonne humeur. C'est joyeux, coloré et bon enfant. Et ça marche. Frigiel joue aujourd'hui sa 6ème saison et cela reste l'une de ses séries les plus populaires. Son let's play a marqué YouTube durablement. C'est d'ailleurs le let's play Minecraft en français le plus regardé. Le premier épisode de sa 2ème saison cumulant aujourd'hui près de 3 millions de vues. Cela a entre autres servi à populariser le modé qui peut encore en effrayer certains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ouh, mon dieu, un loup-garou. Il faut que j'aille me cacher parce que le loup-garou, on a aucun moyen de le tuer à ce stade du jeu. Ok, je suis en... Frigiel continua les séries d'anthologie avec notamment la 7ème dimension en février 2013 en compagnie de Sifano. Bonjour. Bonjour, bonjour à toi et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure, une aventure en coop à deux. Une aventure qui va être assez intéressante puisque... A nouveau, cette série respire la bonne humeur. Les deux compères nous font rire et rêver. Le parcours des différentes dimensions qu'offre le mode Divine RPG est tout nouveau pour le public de l'époque. Ainsi, une nouvelle fois, Frigiel popularise drastiquement le modé. Modé qui, tout de même, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne prendra pas vraiment les dessus sur les séries Vanilla classiques que peuvent être les coopérations hostiles ou les Fallen Kingdom par exemple. Alors, il nous faut la poudre pour ouvrir la dimension, c'est celle-ci. Donc cette poudre, on l'a fait, t'es où? On l'a fêté à la plage. Non, ouais, je suis là. Hypierre fut pendant longtemps reconnu comme celui qui savait. C'était le vidéaste qui connaissait les dessous de Minecraft. Il a fait et fait encore beaucoup de redstone, de commandes et de modés industriels sur sa chaîne. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça sera un let's play plutôt orienté mécanisme. Enfin, tout ce qui tourne autour de l'utilité dans Minecraft. Bien entendu, la série qui caractérisera longtemps Hypierre, c'est son let's play mécanique. C'est la série de Redstone, c'est la série d'Hypierre. En effet, Hypierre ne fera pas vraiment d'autres séries seules sur Minecraft. Son let's play mécanique, c'est sa petite série à lui qui restera pour toujours en solo. Enfin, si on ne prend pas en compte Ironbot. La première saison, en 100 épisodes, commença début 2012 pour s'arrêter en juin 2013. Déjà fortement populaire et reconnue comme une référence en termes de Redstone et de Minecraft technique à l'époque, la première saison se fera vite voler la vedette par la deuxième, qui elle, s'étalera sur 181 épisodes, eux-mêmes répartis sur près de 5 ans, de juillet 2013 à janvier 2017. Et bonjour à tous, on se retrouve pour la saison 2 du LP, qui commence magnifiquement, puisque c'est la deuxième fois que je vais faire cette intro, puisque la première fois j'avais oublié de brancher mon micro. Hypierre touchera à tout dans sa seconde saison. Il tentera de faire du build, il fera des timelapses et des cinématiques. Donc, bien que le cœur de la série reste de la Redstone, sa deuxième saison s'étendra vers toutes les possibilités qu'offre Minecraft sans se priver. Ce qui fait de ce let's play l'une des sources d'inspiration principales pour bien des vidéastes, moi y compris. Du coup, pour éviter de faire ce que j'ai pas forcément envie de faire, c'est-à-dire me forcer entre guillemets à tourner des LP et faire quelque chose où je ressens pas, à l'heure actuelle en tout cas, la motivation, je préfère, et c'est là qu'on va sortir les mouchoirs et être un peu triste, c'est pour ça que j'ai mis en stase Ironbot, je préfère faire une pause sur le LP mécanique et je pense que... L'aisance et l'humour d'Hypierre sont aussi responsables du succès de sa série. Hypierre est cool, en toutes circonstances, et son commentaire est précis et maîtrisé, avec des touches d'humour et de légèreté qui toucheront le plus grand nombre. Thank you.
J'ai pu le développer plus tôt, Zelvak est le créateur d'une flopée de concepts novateurs et populaires comme peuvent l'être les Fallen Kingdom ou les Sky Defender. Et en septembre 2012, il lança la Cité des Sables, qui rassembla une pléthore de vidéastes de l'époque. Je trouve, pour une nouvelle petite série, j'ai été invité à... Tiens, je regarde qu'est-ce qu'il propose, lui. À un jeu qu'a organisé Zelvak, donc avec pas mal de monde, qui s'appelle La Cité des Sables. Le concept était simple. Il y a une ville au milieu du désert, des joueurs et joueuses, et 2 semaines pour qu'ils et elles récoltent le plus d'émeraudes possible. La personne qui aura le plus d'émeraudes gagnera la partie et deviendra propriétaire de la cité. C'est l'un des premiers événements engageant autant de vidéastes. Alors que les premiers Fallen Kingdom ne comptaient que 4 ou 6 participants et participantes, La Cité des Sables dépassait amplement la vingtaine. Allez, moi aussi, c'est parti. C'est parti. Logging in. Et donc, nous voici. Brioche, où es-tu? Brioche, tu es là. C'est bon. Bon, c'est bon, on s'est retrouvé. Donc, il y a beaucoup de monde. Il y a Frigiel, il y a Pierre, il y a des gens que je ne connais pas. Eh bien, écoutez, il y a Gotaga qui est là-bas. Gotaga qui. Un an plus tard, Zelvak organisera la cité d'Hakuna Matata. Même principe, mais avec bien plus de vidéastes invités. L'intérêt de cette cité fut qu'elle fut construite dans un let's play solo, au préalable par Zelvak, sur une map flat. Il ne s'est donc pas contenté de reprendre le concept de la cité des sables. Non, Zelvak a créé l'entièreté de sa cité en survie à l'aide des ressources qu'on trouve avec une map flat, ce qui reste un concept assez intéressant. Zelvak, qui d'ailleurs, comme l'a fait Fantasio, a supprimé l'entièreté de ses vidéos. Ainsi, dur de savoir quelles étaient ses dernières créations. La cité d'Hakuna Matata reste néanmoins l'une des dernières les plus connues. Bref, comme pour Fantasio, je souhaite une excellente continuation à Zelvak pour ses projets personnels. Il a apporté à la communauté Minecraft francophone des idées originales et fraîches qui sont encore jouées aujourd'hui. Et ça, c'est génial. En décembre 2012, fut fondé l'un des collectifs de vidéastes les plus connus, les Patrick. C'est à toi de faire l'intro de merde. Oh. Tiens, regarde, je te montre mon cul pour l'intro de merde. Salut les biatchs. J'espère que vous avez les bougies. Pourquoi les bougies? Parce que c'est le nom de la chaîne. Ah oui, d'accord. Aznet, Harry Lafranc et Hypierre lancent ensemble Feed the Patrick, une série modée sur un modpack Feed the Beast. Le succès est immédiat et Feed the Patrick devient rapidement la première série serveur à grande échelle. En effet, on constate ici l'apparition d'un nouveau genre, les serveurs. Bien entendu, des séries comme La Cité des Sables étaient déjà des serveurs. Mais ici, je ne parle pas d'un événement PVP, comme La Cité des Sables par exemple, ni d'un let's play, comme pouvait l'être la 7ème dimension, mais bien d'un serveur multijoueur où chacun et chacune a sa base et fait sa petite popote dans son coin. Avant Feed the Patrick, ça n'existait pas vraiment sur notre YouTube. Bon, bah du coup, quel est le programme aujourd'hui, Aznet, à part... Alors le programme aujourd'hui, mon cher Jean-Michel, arrête de casser ta base, tu vas tomber sur quelque chose. Avec... Le serveur commence avec 3 joueurs, mais très vite, il atteindra la vingtaine de participants et participantes. C'est ce même nombre qui restera à peu près à chaque nouvelle saison. Et ces saisons qui suivirent furent de moins en moins populaires, malgré des événements notables, comme le passage en tendance Twitter mondiale du hashtag FeedThePatrick en janvier 2013. On a demandé, moi j'étais en live pour fêter mes 100 000 abonnés sur YouTube, on a demandé aux gens de tweeter avec le hashtag FeedThePatrick, ceux qui me suivaient sur le live, pour tester l'écran. Ça a tweeté énormément, très très rapidement, et puis ça s'est propagé, et on a eu beaucoup de monde qui a retweeté derrière sans forcément savoir ce que c'est. Ça a touché aussi les Anglais, enfin bon, c'est devenu totalement hors de contrôle. Autour d'une telle série s'est donc constituée l'équipe des Patrick, avec en son cœur Aznet, Harry et Hypierre. Ensemble, avec d'autres Patrick, ils lancèrent un événement PVP du nom de Kill the Patrick, ou KTP, en avril 2013. Et c'est énorme, c'est vraiment double face. Oh, attends, c'est énorme. Oh, c'est de faire bouger, et Mr. Hyde. Vous avez bougé. Et bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle série, sur une nouvelle map avec pas mal de Patrick. Un KTP, c'est un Hunger Games. Tous les Patrick sont placés dans une carte à la taille limitée, en équipe ou seul, et c'est la dernière personne en vie qui gagne. Non, hors de question. Prends la strength par contre. Ouais, pas tout de suite. Ah si, on est prêt quand même. Allez, la strength. Yes. Double kill.
GG. Et étonnamment, KTP est devenu bien plus populaire que FTP, ce qui montre l'attrait particulier qu'a le public pour du PVP Minecraft. La série en est maintenant à sa 12e saison, et beaucoup de dérivés ont été créés, comme notamment Top Gun ou encore Switch de Patrick. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série au nom encore inconnu, n'est-ce pas? Le nom sera décidé dans le titre de l'épisode que chacun pourra voir. Waouh. Voilà, exactement, exactement. On fera un sondage. Je pense que c'est grâce à la première saison de KTP que les événements PVP Minecraft ont réellement monté en puissance sur YouTube. KTP rentre dans une certaine opposition au Fallen Kingdom. KTP a un côté plus professionnel, dans le sens où on y a retrouvé d'excellents joueurs et d'excellentes joueuses qui feront tout pour gagner, alors que Fallen Kingdom se focalisera plus sur une bonne ambiance et l'amusement avant tout. Cela crée un peu deux écoles pour le PVP, et bien qu'il n'y ait absolument aucun conflit entre celles-ci, certains et certaines d'entre vous ont peut-être grandi avec les FK, alors que d'autres avec les KTP, ou avec les deux, comme moi. J'arrive. C'est bon, j'ai touché, mais il y a des lags. C'est bon, je l'ai eu. Ok, GG, on arrive. Ah, y'a Bill. On arrive. Ah putain, tant pis. Les Patrick ont formé un collectif qui, comme beaucoup d'autres, a eu son heure de gloire mais qui restera éphémère. Plus de FTP, plus de KTP, plus de lundi PVP. Aujourd'hui, le nom des Patrick a pratiquement disparu de YouTube. Mais ce groupe d'amis aura bien entendu inspiré une génération de jeunes joueurs et joueuses. Et à nouveau, ça, c'est vraiment cool. Eh hey, salut. Parce que tu sais. Bonjour. Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bonjour. Bonjour. Que le swag soit avec vous. Eh bien, écoutez. Attends, on va se séparer dans les channels et puis attends. Si je puis dire, on est 36, il est 21h16, applaudissements. Ouais. Je pense qu'on peut facilement placer 2014 comme étant le point d'inflexion, le début de la fin de Minecraft sur YouTube en France. Car si l'on prend la première génération de vidéastes apparus entre 2011 et 2013, les vues stagnent ou sont en baisse. Les séries commencent à avoir 3, 5, voire 10 saisons et le contenu n'évolue plus. C'était à prévoir. Sur YouTube, si l'on n'expérimente rien de neuf, tout est relativement éphémère. À part pour Captain Desillusion, allez savoir, un génie c'est un génie. Les plus vieux vidéastes ont encore une fanbase suffisante pour continuer leurs vidéos et parfois en vivre. Mais d'autres, arrivés trop tard ou n'ayant pas eu assez de chance, vont en pâtir. Des vidéastes, comme Aurélien Sama par exemple, galèrent encore aujourd'hui pour faire de YouTube une source de revenus sans passer par de multiples plateformes comme Utip. Mais c'est ainsi, ces vidéastes n'innovent plus ou très peu depuis des années, remettent la faute à YouTube en critiquant l'algorithme ou les problèmes de monétisation. C'est un phénomène qui est déjà arrivé dans d'autres sphères de YouTube et qui continuera d'arriver. Bien sûr, on peut discuter sur ces revendications, je ne les trouve pas foncièrement idiotes. Et on peut aussi essayer de voir plus loin sur pourquoi il y a eu un tel déclin ici, sur le YouTube francophone. Mais pas d'inquiétude, je garderai ça pour la prochaine vidéo. Si vous connaissez bien ma chaîne, je pense que le nom Dollycube vous parle bien. Cette série fut LE serveur Minecraft survie francophone dès son lancement en septembre 2013. Reprenant l'idée générale d'Hermitcraft de faire un serveur Minecraft en survie vanilla de vidéastes, Dollycube ajoute son piquant en poussant le jeu une étape au-dessus grâce à l'Ultra Hardcore, l'UHC. Le principe d'un serveur UHC, ou d'un événement UHC d'ailleurs, est assez trivial. Votre vie ne se régénère pas naturellement. Il ne sert donc à rien de manger un stack de carottes en or. Si vous avez pris 4 cœurs de dégâts, vous avez pris 4 cœurs de dégâts. Là. Faut faire gaffe aux mobs hein, parce que c'est sans pitié, chaque fois que vous prenez un dégât, ça ne régène pas. Bon, maintenant qu'il y a les beacons, ça va mieux. Seul moyen de contourner cela, à part la mort bien entendu, les effets de potions. Et cela passe généralement par les beacons ou les pommes en or qui permettent de donner de la régénération aux joueurs et aux joueuses. Bonjour à tous et bienvenue sur la... Non, il fait exprès. Ouais, non, c'est bon, c'est blague. Il fait exprès. Toy, on t'entend pas. On t'entend pas, Toy. Faut faire dire qu'il est dans un aquarium. Il est dans sa... Dollycube résonne beaucoup pour moi. C'est la série fondatrice d'un genre que j'ai fort suivi, les serveurs multijoueurs. C'est avec la première saison d'Hypierre et la seconde d'Aurélien Sama que l'idée que je me faisais d'un bon let's play a beaucoup évolué. J'ai été très étonné de la qualité qui a été offerte à l'époque. Malgré la pente sur laquelle la première génération de vidéastes s'est engagée dès 2014, il subsiste des projets de serveurs qui marchent et font rêver, même s'ils ne sont pas autant regardés que les séries les ayant précédés. Dollycube en fait partie, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi Celestia. Eh bien
bien, salut tout le monde, c'est Sifano et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode tant attendu de Celestia. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super. Et aujourd'hui donc, nous sommes sur Celestia. Celestia, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un serveur Minecraft sur lequel je taffe depuis quasiment un an. Serveur initialement lancé par Sifano en août 2015, Celestia rassemble une pléthore de vidéastes de tous les horizons. Et c'est ça qui fit la fraîcheur du serveur, c'est que Sifano n'hésita pas à inviter une tonne de personnes inconnues au bataillon. Bien qu'on y retrouve des vidéastes déjà assez connus, comme Hypierre notamment, le serveur a permis de mettre en valeur des vidéastes un peu moins populaires, comme, bien entendu, Aurélien Samar. Très clairement. C'est premièrement, Celestia tourne en 1.9, Alicube tourne en 1.8, je veux expérimenter la 1.9. Celestia a tenu près de 2 ans et beaucoup ont fait des séries de 50, voire plus de 100 épisodes dessus. Certes, les vues n'étaient pas aussi grandes que pour les séries de 2012 et 2013, mais l'engouement était suffisant pour faire vivre ce serveur et permettre à ses membres de construire quelque chose de beau. Une deuxième saison vient d'être lancée, à nouveau sur un concept similaire. Pour l'instant, la série ne s'annonce pas aussi regardée qu'avant, en tout cas sur le point de vue de Sifano. Cependant, ce dernier a encore fait l'excellent choix d'inviter des vidéastes de tous les horizons, dont notamment un certain Views 3. J'adore Views. Non, sérieusement, j'aime beaucoup ses vidéos, et malgré que je ne suis pas capable de toutes les regarder, je reconnais un grand talent dans ce qu'il fait. Bon, regardez-moi ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un cheval squelette. Alors, faut savoir que, justement sur le serveur, ce qui se passait pendant un moment, c'est que je sais pas pourquoi il y avait un espèce d'event... Fuse a commencé ses premières séries aux alentours de 2014, et il joua sur plusieurs serveurs, comme par exemple Redwood, un serveur Vanilla. En mars 2015, le vidéaste lance Palladium, qui deviendra vite l'un des serveurs dits PvP Faction les plus joués. Salut tout le monde, c'est Fuse, et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Palladium. Palladium, serveur PvP Faction modé, oui. Le principe est relativement simple. Les joueurs et joueuses s'organisent en factions et construisent des bases pour stocker leurs ressources. Il y a moyen de piller les bases des autres factions pour récolter leurs ressources. Il n'y a pas de réel but, mais force est de constater que ça plaît. Fuse fait principalement du modé en fait. Son serveur Palladium en est un bon exemple, les mods lui offrant beaucoup de flexibilité. A côté de ça, il diffuse sa série Minecraft modé sur laquelle, il fait du modé. Et finalement, on peut aussi parler de ses admin series, une série de vidéos en créatif où il montre les dessous de l'administration d'un serveur comme Palladium. En gros, l'autre jour, je me suis connecté sur mon Gmail et j'ai reçu un mail particulièrement inquiétant. Quelqu'un a trouvé un bug de duplication et veut give du pala à tout le monde. Ok, bon, déjà... Mais bon, Fuse n'est pas apprécié de toutes et tous. Beaucoup de reproches lui sont faits, notamment au niveau de ses miniatures, jugées trop aguicheuses. Et elles le sont, je suis bien d'accord. Je ne cautionne pas entièrement cette façon de faire, car je pense qu'il y a sérieusement moyen d'attirer les viewers avec quelque chose de bien moins agressif. Néanmoins, derrière ça se cachent des vidéos d'une étonnante qualité. Un montage soigné, une façon de parler certes un peu trop énergétique, mais dynamique et accrocheuse. Il fait des vidéos pour les jeunes, et le fait bien. Ça ne prend pas son public pour des tâches, et ça s'est resté un minimum intelligent, même si ça reste du divertissement. Et tout ça, une fois par jour. À l'époque, c'était pas possible. Donc voilà, Bob Bob vivait sa petite vie tranquillement dans Passy Town, mais il continuait son règne de terreur. Et c'est pas moi qui ai inventé ça. Alors Fuse, chapeau bas. Tu as réussi à faire du contenu de bonne qualité et à être assez regardé, alors que les vues de tous les vidéastes du milieu s'écrasent comme jamais. Je suis peut-être un petit peu médisant, Fuse n'est pas venu tout seul en 2014. En réalité, on peut parler de toute une nouvelle génération. Salut à tous les amis, c'est Agent GB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On remarque toute une série de vidéastes qui ont émergé durant 2015-2016, qui ont eu leur heure de gloire entre 2016 et 2017 et qui ont commencé à disparaître en 2018. Un seul problème, contrairement à Sifano, Hypierre, Fanta ou Frigiel, je n'ai pas grandi avec eux. Et il est possible que vous non plus. Si c'était une nouvelle génération de vidéastes, c'était aussi une nouvelle génération de public qui, comme moi en 2012, fut passionné par ces vidéos Minecraft. D'un œil extérieur, on pourrait caractériser cette nouvelle génération par ses titres et miniatures tendancieuses et ou aguicheuses. Mais j'ai mené mon enquête auprès des gens qui regardent ou qui ont regardé des vidéos de cette génération de vidéastes. Et bien qu'en effet un certain surjeu, un manque d'honnêteté et de travail est à signaler, il semble ressortir que ces vidéos sont généralement regardées pour passer du bon temps. C'est bourré d'énergie, c'est plein de bonne humeur et c'est bon enfant. Bon, l'équipe là, challenge accompagné cette fois-ci de Oxylac. Eh bien, salut les amis, c'est Oxy. Ça va? Merci de m'avoir invité, merci. Oui, ça va très bien, et toi? Tous ces points attirent une communauté jeune et ou en recherche d'un divertissement simple. Et je pense que ça a le mérite d'exister, parce que finalement, c'est exactement la même chose que Sifano, Hypierre, Fanta ou Frigiel à l'époque.
Néanmoins, il semblerait que ça ne va plus exister pour longtemps, car beaucoup de chaînes sortant de cette génération commencent à décliner comme l'avait fait la génération d'avant. Toutefois, ce n'est pas valide pour une certaine partie de cette nouvelle génération, les vidéastes PVP. Bonjour à tous, bienvenue dans LG saison 7. C'est le deuxième tournage qu'on fait. On espère que cette fois-ci, ça va être le bon. Beaucoup de changements, on va attaquer tout de suite. On pourrait citer Gwep, The Gill ou encore Matox. C'est une vraie communauté qui s'est créée au sein de cette nouvelle génération. Une communauté avec ses codes et ses habitudes. C'était la réelle première fois que je me retrouvais tout seul en tant que loup-garou blanc. Pour moi, c'est le rôle le plus difficile à jouer, même au-dessus de l'assassin. Contrairement à ce dernier, le loup-garou blanc n'a pas de boost entre guillemets de stuff avec des livres. Cette nouvelle vague a commencé comme la nouvelle génération, des miniatures et des titres souvent aguicheurs et n'apportant pas un réel aperçu de la vidéo finale. Mais les vidéos PVP commençaient déjà à se détacher de ça via un montage souvent plus soigné. Ça a l'air vraiment cool, hein. Franchement ça a l'air cool. Évidemment, ouais, je me suis équipé comme jamais, donc là on est bien. Et vous verrez que cette petite différence a payé par la suite et a permis à des vidéastes PVP de ne pas autant subir le déclin que d'autres créateurs et créatrices de la nouvelle génération. En effet, vers 2016 commencent à émerger des chaînes comme celle de Matox notamment, qui valorise un contenu PVP honnête et qualitatif, et petit à petit, des chaînes plus orientées clickbait se tournent vers d'autres jeux, comme Fortnite bien entendu, alors que des nouvelles chaînes PVP restent et deviennent plus professionnelles. Minecraft, il y a un an tout le monde s'est accordé pour dire que tu étais terminé. Il y a un an, nous regardions ça d'un point de vue extérieur en nous sentant impuissants face à ta situation et ton déclin presque programmé. D'un objectif commun avec Gil, nous avons décidé de... Je vous parlais de Gwep, The Gill et Matox, mais la liste continue, la communauté YouTube PVP est maintenant assez saine et c'est quelque chose de plaisant. De plus, ces chaînes ne sont pas si impopulaires, certes elles pâtissent du manque d'intérêt général que les joueurs peuvent avoir envers Minecraft, mais elles restent très regardées en comparaison du reste de la nouvelle génération. Il y a un autre point qui me captive avec ces chaînes PVP, c'est la naissance d'un véritable mouvement de protestation interne. L'ensemble de la communauté s'est accordé pour crier haut et fort que tu étais terminé, que tu allais disparaître, que ton règne de plusieurs années touchait à sa fin. Beaucoup de chaînes PVP, durant l'année 2017 et 2018, postent des vidéos au titre similaire. Je quitte Minecraft, explication. Minecraft est mort, Minecraft est-il mort, et j'en passe. En réalité, beaucoup de ces vidéos se concentrent surtout sur l'état même de la communauté PVP sur YouTube, même si les titres parlent de Minecraft en général. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. La communauté PVP se questionne et s'exprime bien plus que les autres, et n'hésite pas, que ce soit bien réalisé ou non, à donner un avis en vidéo, ce qui n'est pas le cas d'autres vidéastes de nouvelle génération. La communauté PVP est franche, et je trouve ça chouette. Pour donner un coup de fouet à la communauté, il faudrait un nouveau gros serveur, une sorte de quartier général pour l'ensemble des joueurs en France, comme Epicube en 2015, qui regroupe tous les horizons, tous les styles. Un endroit où les streamers et les youtubeurs pourraient faire ce qu'ils font. Aujourd'hui, je vois un avenir pour celle-ci, car grâce à son honnêteté et une chaîne de recherche de qualité, des vidéastes continuent à avoir une audience suffisante pour pas se lasser. Espérons simplement que le contenu se renouvelle et tout devrait aller pour le mieux. Il est temps d'aborder la troisième facette de la nouvelle génération, les courts-métrages. A nouveau, vers 2014-2015, sont apparus une pléthore de vidéastes Minecraft, mais ceux-ci ne voulaient pas faire des vidéos comme les autres, il était temps pour elles et eux de reprendre le flambeau du Comedy Cube et des aventures de Monsieur Moustache. Le court-métrage Minecraft allait renaître de ses cendres grâce à moult créateurs et créatrices pleines de talent. Il n'y a rien de spécial à préciser, c'est du court-métrage, il y a de l'humour avec Flyzer, de la fiction avec Studio Alka et de la pure qualité avec la Creative Community. C'est bien fait, c'est très populaire, et pourtant, je n'en avais jamais entendu parler. J'avais déjà pu discuter, il y a de cela un an, avec Mojo, de cette communauté qui m'était complètement inconnue, et j'étais impressionné de voir le nombre de personnes autour de ce large panel de vidéastes. Leur public est conséquent, et c'est beau à voir pour des vidéos de si bonne qualité sur Minecraft. C'est en octobre 2018 que j'ai pu échanger quelques mots avec Flyzer, il m'a montré l'étendue de tous les vidéastes courts-métrages qu'il connaissait, et m'a aussi fait part des problèmes internes à cette communauté de courts-métrages, car oui, c'est une communauté à part entière avec ses problèmes. C'est un monde passionnant, complètement hors-piste par rapport au reste des vidéastes de nouvelle génération, qui créent des vidéos de bonne facture avec passion, je ne peux que vous recommander d'aller jeter un œil si vous êtes intéressé par ça. Et voilà, de 2009 à 2019, Fanta, Stefano, Hypierre, les Patrick Olicube et la nouvelle génération, on a fait le tour de mon analyse personnelle de l'histoire de cette communauté YouTube francophone. Bien entendu, j'ai omis une tonne de vidéastes talentueux et talentueuses qui ont forgé ce qu'est cette communauté aujourd'hui, et je ne pourrais pas donc prétendre que tout ceci est exhaustif. Également, nous avons tous et toutes une vision très claire de cette histoire, forgée par nos visionnages passés, donc il est évident que mon analyse ne vous parle pas forcément, mais j'espère vous avoir fait voyager à travers les époques pour voir ou revoir celles et ceux qui m'ont formé, et qui ont indubitablement changé la face de YouTube. Car oui, Minecraft, en 2012, en francophonie, c'est ce qui dominait un peu YouTube, et c'est aujourd'hui l'une des plus vieilles communautés de vidéastes existantes. Aux côtés des podcasters et des webséries, les vidéos Minecraft n'avaient vraiment rien à envier, elles ont forgé YouTube et son public durant des années, et ce n'est pas négligeable. Néanmoins, ce que je souhaite surtout retirer de cette analyse, c'est un constat assez fort. Minecraft est tombé de bien haut en francophonie. Ça vous paraît peut-être évident, ou bien totalement farfelu, mais les séries Minecraft sont moins nombreuses et moins populaires qu'en 2013, c'est un fait. Pour boucler la boucle et répondre à notre question de départ,
Oui, Minecraft est mort en francophonie, dans le sens où le jeu ne fait plus tant les millions de vues qu'il l'atteignait facilement il y a 6 ans. Et la question que vous pourriez vous poser, et vous auriez raison, c'est quelle est la cause de cette chute? Personnellement, j'en vois deux. La première, c'est un simple surplus de vidéos. Il suffit de voir à quel point les vidéastes étaient moins nombreux en 2013 qu'en 2019. Je suis aujourd'hui abonné à plus de 500 chaînes YouTube. En 2013, je ne suivais probablement même pas le dixième de ce nombre. Ainsi, forcément, à l'époque, il était facile de suivre autant de let's play. Ça ne faisait qu'une ou deux vidéos par jour. Aujourd'hui, j'en ai près de 20 par jour, et ma seule solution pour m'en sortir, c'est de sélectionner. Et quand je dois choisir entre le dernier épisode de l'Icube d'Aipierre ou le dernier Dirty Biology, bah ouais, je regarderai plutôt du Dirty Biology. Désolé Aipierre. Ainsi, il y a probablement une overdose de Minecraft, et même de Let's Play en général. La deuxième raison, ce serait le manque de renouvellement, mais ça, on va en parler dans la seconde partie de cette trilogie de vidéos sur l'état du YouTube Minecraft francophone. Alors, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt la semaine prochaine pour la suite. Au revoir. Et prenez soin de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'en suis assez fier, j'ai essayé de changer le style d'écriture et le style de montage que j'utilise, tout en gardant évidemment des choses que je savais déjà un peu bien faire. Mais voilà, c'est un nouveau format que j'ai envie d'essayer, c'est quelque chose que je vais développer dans les prochaines vidéos, hein. Il va y avoir deux vidéos à la suite de celle-ci qui seront dans le même thème, hein. C'est une trilogie. Bien évidemment, il y aura aussi des Minecraft News et plein d'autres vidéos qui arrivent, je reprends vraiment les vidéos à plein temps, enfin si j'y arrive, hein, parce que j'ai quand même des examens à côté. Et aussi j'ai lancé un uTip pour les personnes qui souhaiteraient me soutenir financièrement, que ce soit juste en regardant des publicités ou en faisant des dons et ce genre de choses. Il est dans la description, ceux qui ont envie, ceux qui en ont les moyens, ils peuvent, et sinon n'hésitez pas juste à regarder les vidéos, c'est déjà largement suffisant. Bref, j'espère que vous avez apprécié, et sur ce, vraiment, au revoir.